Bonjour à tous et bienvenue cette semaine encore dans l'émission L'Artiste de la Semaine sur Canal Austral, bien entendu. L'Artiste de la Semaine qui a 10 ans cette année, oui, depuis 2009 à 2019, 10 ans déjà L'Artiste de la Semaine. Tous les semaines, chaque semaine, 52 semaines par an, avec un artiste ou une artiste qui nous rejoint ici même sur les plateaux de Canal Austral. Aujourd'hui, encore en cette année 2019-2020, on a le plaisir d'avoir quelqu'un que vous connaissez, puisqu'elle a commencé à chanter aussi chez nous il y a quelques temps de cela, je dirais même quelques petites années de cela. Elle s'appelle Emilia. Comment elle est, Emilia ? Bonjour Jean-Claude, ça va bien? Oui, ça va. Toujours un plaisir d'avoir chez nous ici, hein, parce que de temps en temps, quand il se passe un événement comme ça, eh ben, on vient un petit coup voir à nous. Hein. Ben oui, parce que ben, là, il remonte un petit peu par contre, mais là, c'est un petit peu la place aux autres. Oui. Parce que ben voilà, tout le temps, c'est pas la même personne. Mais sinon, ça va. On vient pas tous les jours aussi. Hein. Non, souviens deux fois dans l'année, des fois, là, hein, deux ou trois grands maximum. Oui, hein. oui. Mais là, souviens, c'est parce que l'arrivée à une affaire, l'arrivée à un événement. Oui, l'arrivée à un événement. Alors, mirassure aux autres, c'est pas ça dont tu crois. Un heureux événement, hein, et c'est ça, celle-là, la sortie de ton album. Oui, la sortie de mon album, Emilia, et le titre, c'est « Viens avec moi ». Oui. Viens avec moi, hein. Cinq titres. Il y a cinq titres sur l'album, oui. Un EP de cinq titres avec que du Sega Love même. Il y a Zouk Love aussi. Et puis, un Sega aussi dessus. Un Sega, oui. Et le reste? Et après, le reste, c'est Sega Love. Sega Love, oui. Hein, d'accord. Donc, Sega Piqué aussi, alors Il y a un petit Sega Piqué dessus, là. Ah, d'accord. Ben, normalement, ça que nous l'a fait là, mais... Mais il veut dire aussi l'album, il bouge bien quand même. Alors, il faut dire à tout le monde qui nous regarde, c'est votre premier album. C'est mon premier album. Voilà. Jamais sorti. Des clips. Hein, oui, hein, des clips. Des morceaux comme ça étaient sur les réseaux sociaux. Oui. Mais vraiment, un album comme ça. C'est jamais. La première fois. Alors que, voilà, mais les filles de moi, au moins un jour, mes enfants, mes petits-enfants pourront dire, mamie, elle sort quelque chose, elle laisse un truc, comme dit Bana, la marque, quelque chose pour nous. Derrière. Exactement. Puis, combien de temps pour préparer cet album? La partie il y a au moins deux ans. Deux ans, hein? Deux ans. Parce que là-dessus, on a la première chanson qu'on a sortie, que je me rappelle, on a un petit peu plus de deux ans que cela, c'est Un vie gâchée. Un vie gâchée. C'était vraiment la première chanson. La première chanson que m'a fait. Mm-hmm. Et puis, c'est que l'a bien marché aussi, en fin de compte aussi. Le clip l'a bien tourné parce que, du coup, il y a 16 000 vues. Ouais, 16 000 vues déjà. Déjà. Hein. Voilà. Et après, c'est mon CAF adoré. Mon CAF adoré. Me pense bientôt 7 000. Et puis maintenant c'est l'album. Et bientôt encore un autre clip encore. Bientôt oui, mais pour l'instant sur l'album, m'y fait pas encore le clip pour l'instant. M'y laisse un petit peu l'album, vivre un petit peu, reprend un petit peu son vie. Après du coup, m'y pense que m'y pourra tourner en fin janvier ou début février le premier clip. D'accord. Alors les mais bon, pour l'instant, de toute façon, les proches là, on aura l'occasion de voir. Ça, Que c'est une préparation aussi, il faut faire les choses bien. Voilà. Il ne faut pas courir après, ne pas presser. Mais vois derrière cet album là, on a le logo de David Luizin. Oui, David Luizin. Ce qui veut dire que c'est David Luizin que l'a fait tous les morceaux là-dessus. C'est David Luizin que l'a fait l'arrangement. Les arrangements. Oui, et moi, elle a écrit le texte et la mélodie, c'est moi. Tous les textes, les cinq, tout ça, c'est où C'est moi, David l'a fait l'arrangement. Et la première chanson, il faudra dire, c'est David que l'a fait. La vie gâchée, c'est David qui l'a écrit. Oui. Et après, Delilia travaille avec. D'accord. Mais après, faudra dire le CAF adoré, tout ça, c'est plus moi le texte. C'est au plus. Hein. Donc, quand on est chez vous le soir là-bas, quand tout le monde regarde la télé, on est plutôt dans un coin, l'autre côté, où on essaye de faire le bon texte, écrire une bonne musique, trouver une bonne mélodie et tout ça. Oui, mais trouve la mélodie. Du coup, quand il écrit, la mélodie vient tout de suite. Il vient tout de suite. Alors. Tout de suite, oui. Puis, du coup, il fait pas. Mais ça n'a pas trop longtemps pour écrire aussi. Et quand l'inspiration arrive, ils mettent toujours aussi mon téléphone. Heureusement, on a un petit peu une boîte magique. Il appelle un GSM. Un GSM. Il dit puis GSM comme ça, il dit téléphone portable. Téléphone portable. Imagine, ça n'existe pas. Mais t'es ennuyant. Et t'es bien ennuyé. Imagine une bande de monde longtemps. T'écris les textes, mais l'air, à un moment donné, vous l'avez plus. Comme dirait un camarade à moi, Calix. Calix, c'est ça,
comme ça à la dictée, on a fait de tête tout à un coup de couille, hein, où on reconnaît, où on tombe, où voilà. Plus rien. Les et là, on fait une période toute l'heure. On a fait une période toute l'heure, on ne connaît plus, voilà. On essaye de rechercher, mais il ne revient plus. Il ne revient plus. Mais quand on est sur le téléphone, du coup, ben voilà, où, dès qu'on l'a trouvé tout de suite, ben il revient tout. Ouais. Alors, d'autres bonnes mots, voilà, à part qu'une vie gâchée, toutes les restes, c'est quoi? C'est l'amour, hein, oui, il parle beaucoup d'amour. Une vie gâchée qui était plutôt un. Si, il parle beaucoup d'amour dans les chansons. On va dire, mais sinon, le reste, c'est l'amour, puisque mon café adoré, c'est l'amour. Oui. Et dans mon robe blanc, c'est le mariage, donc c'est l'amour. Voilà. Viens avec moi. Voilà, c'est l'amour aussi. Et puis, c'est notre destin. C'est notre destin aussi. Parle de l'amour aussi. Voilà. Vous l'inspirez. Moi, l'inspirer de. Mais il est beaucoup romantique, par contre. Les chansons comme ça. Mais du coup, on a Maloya aussi bientôt, j'espère. Emilia, il se la fait Maloya. Si, il est là, la chanson, elle est déjà là. Déjà, on m'a déjà dit avec Jean-Claude que la chanson, elle est là. Mais on est en train de travailler. Bientôt, elle sera là, va tourner le clip. Mais là, il faudrait qu'on foute Maloya ou danse aussi avec. Ah, ben oui, parce que même. On bat fleur et tout. Ben oui. Ben oui, faut rouler. Oui. Faut rouler jusqu'à terre. Oui. D'accord. Alors. Et du coup aussi, m'y pense pour l'album. Là, on aura besoin aussi des danseuses. Ouais. Il faut que m'y mette. Pour l'album, pour le clip. Pour le clip. Fin janvier. Ou début mon février. Destin, si c'est notre destin, m'y pense bien, on aura besoin. D'accord. Hein. Mais m'y pense pas. Premier morceau de l'album. Mais le clip que m'a fait la première là-dessus. Mais pense, c'est dans mon robe blanc. D'accord, alors. Il faudra avoir des mariages. Un marié. Ben, le marié. Peut-être c'est moi-même qui va présenter la mariée. Ah bon? Mais qui sait, il connaît. Mais nous attendons ça avec impatience, alors. Mais pense que c'est moi-même. Dis pas plus, tu auras la surprise. Ça fait cause de bonheur, là. Ça fait cause de bonheur, là. Tu veux causer, mais en bien, quoi. Ouais. Emilia est dans nous. Viens avec moi. Oui, l'album viens avec moi. Disponible partout. Pour l'instant, chez moi, en fin de compte, on est là chez moi. Mm-hmm. Et bientôt sera dans les bacs. Bientôt sera dans les bacs. Donc, si quelqu'un l'a besoin, il peut venir. Tu peux venir chez moi en attendant, appel à moi. Tu peux venir chez moi parce que le temps que m'y fait les démarches pour être dans les bacs, va prendre un petit peu de temps pour l'instant. Parce que m'y attendre mon producteur, pour le moment, il n'est pas là. Bon, producteur, pourquoi arriver? Il a beaucoup arrivé pour l'instant, il n'est pas là. Mais bon, alors, mais quand il va arriver, il va faire le nécessaire. Il va faire le nécessaire. Pour moi. Hein, d'ailleurs, derrière l'album, on a aussi votre numéro de téléphone. Si, on a mon numéro de téléphone, c'est le 06 92 61 43 69. Voilà, exactement. Voilà, Richard qui est à la régie de l'autre côté, elle a écrit pour nous le numéro de téléphone tout de suite. Hein. Alors, ce que nous va faire là tout de suite, là, c'est que nous arrêtons un petit instant, on fait une petite pause, hein, et moi, ça prend mon guitare qui est à côté, hein, avec une chanson. Qu'est-ce que ça nous a chanté? Lequel? Richard, il connaît encore, et c'est par. C'est notre destin. D'accord, notre destin. Ok. Eh bien, écoute, nous repars. Mitrape mon guitare, nous, ça va tout de suite. Nous refait tout de suite. Hein. Allez, tout de suite. Nous les défiés, nous deux ensemble, ou bras dessus mon cou, nous va bien en profiter, ou la emmène à moi. Partout, mais t'es connais pas. Ne regrette pas le moment. Elle a passé avec ou chérie. Et tous les matins, où t'es appel à moi. Pour demander à moi si il a bien dormi. Où t'es passe pas la journée. Si où t'es appel pas moi. Ça te réchauffe mon cœur. Quand moi t'entends ou te vois, chérie. Si c'est notre destin, nous serons ensemble. Nous va dormir à côté, va réveiller ensemble mon chéri. Ou fais-moi des petites caresses, des petits bisous. M'adore le taou dans mon bras comme mes enfants chéris. Si c'est notre destin, nous serons ensemble. Nous va dormir à côté, va réveiller ensemble mon chéri. Ou fais-moi des petites caresses, des petits bisous. M'adore le taou dans mon bras comme mes enfants chéris. Où t'éveilles dessus moi, où t'es protège à moi. Où t'éveilles pas, t'arrives à moi rien. Où la offre à moi des fleurs, où dis à moi combien, où y'aime à moi. Où t'es sentiment, où t'es gay, pas dit en face chérie. Quand moi t'es dans mon bras, moi la pleurer. Moi n'aurais jamais pensé.
un jour ça n'aurait arrivé. Et l'amour on a découvert ensemble. T'auras discret dans mon cœur, mais n'y arrivera pas. Oublie ou chérie, si c'est le destin, nous serons ensemble. Nous va d'or à côté, ma réveille ensemble, mon chéri. Ouais, viens-moi des petits caresses, des petits bisous. M'adore le taou dans mon bras comme un enfant chéri. Si c'est notre destin, nous serons ensemble. Nous va d'or à côté, ma réveille ensemble, mon chéri. Reviens-moi des petits caresses, des petits bisous. M'adore le taou dans mon bras comme un enfant chéri. Eh bien, on est encore là, Emilia, oui, on est toujours ensemble. Après ce morceau, c'est notre destin. Oui. Premier titre de l'album, mais ce n'est pas le titre de l'album. Explique-moi. À cause où la mettre en premier dans l'album. Oui. Et par contre, le titre de l'album, c'est seulement le numéro 2. Viens avec moi. Viens avec moi. Pourquoi ça? On a un choix comme ça ou bien c'est le producteur qui a fait comme ça? C'est... plus David l'a classé en fait. Hein, David l'a classé. Ben, hein, c'est David l'a mettre. Parce que généralement on a tendance à dire que viens avec moi, c'est le numéro 1 puisque c'est le titre. Oui. Et là non, il est numéro 2. Il est numéro 2. Voilà. Mais voilà. Du coup la chanson elle est bien hein, parce que David même, comme elle a chanté, il la rentre quand même dans la chanson. D'accord. Alors comme quoi qu'il vaut mieux des fois être un bon numéro 2 qu'un mauvais numéro 1. Si, mais voilà. Elle est bien, elle est bien. Exactement. Le 2. Voilà. C'est lui l'a mis dedans. D'accord. L'album est sorti en quand là L'album il était là. Depuis le 5 décembre. Depuis le 5 décembre, voilà, avec moi. Donc pour les fêtes et tout. Pour les fêtes et tout, si les gens ils veulent que voilà que m'y chante, ben voilà, mais pourra chanter pour ça. D'accord, le numéro de téléphone il affiche. Il est affiché là, oui. Voilà. Donc il peut appeler là-haut. Il peut appeler à moi, voilà. Mais il est disponible quoi. Voilà, ouais. Bien sûr. Ou chante un petit peu partout aussi actuellement. Ben là. Oui. Ne donne pas les dates, ne donne pas les endroits, mais. Si, mais chante beaucoup par. Chante beaucoup, enfin là. Oui, mais elle est très demandée là en ce moment. Mais ouais. Depuis l'album, l'a sorti pas mal de places. Ouais. Oui, la radio, tout ça, la radio, tout ça. Et c'est bien. Ouais. Et il appelle à moi, il dit ben voilà, Emilia Ounel, l'album, on a besoin de où? Ben il me dit ben c'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. D'accord, alors, oui, okay, alors, hein, c'est quand on a l'album, c'est vrai, c'est plus pareil. C'est un changement. Là. Ouais. Hein. Voilà, vu ça. Ou pense qu'avant, où elle était chanteuse comme ça, un petit peu occasionnelle, et là, où elle est devenue presque chanteuse à plein temps, parce que maintenant, on a tellement. Ah oui, maintenant, c'est une chanteuse. Ouais. Voilà, parce que là, elle chanteuse. Oui, maintenant, mon album. Voilà. Voilà. Mon album. Sur internet, on a autre album. Voilà, hein, la prise du temps. Pour gagner le paquet, et il arrive par caisse de carton. Il arrive par caisse de carton. Ouais, quand il arrive là, il choque ça, non? Quand on te rappelle au premier dedans, premier, regarde. Et David dit, mais Emilia, regarde, comme elle a vu, il me dit, ah là, franchement, fille, moi, choque. Mais t'es fier de moi, quoi, parce que, ben, c'est vrai, c'est pas facile, la musique, hein, comme les gens disent, c'est la musique, ben, c'est notre passion, en fin de compte. Ouais. C'est que nous y aime, nous fait, mais elle est pas facile, parce que, ben, tout ça, il faut travailler dessus, hein. Bien sûr. Il faut travailler. Et puis, c'est le résultat de deux ans de travail, quand qui même. Qui arrive dans une caisse de carton, comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Et quand on voit, ou les filles de haut, quoi, on dit, bon, voilà, on l'a travaillé, mais aujourd'hui, on voit vraiment le projet, il est là, on voit devant, quoi. Et juste entre nous, là, la première personne qu'on la donne haine, une personne qu'on aime bien, qu'on la donne, on a dit comme ça, ça c'est pas où. Vous connaissez encore c'est qui? Ben, la personne que m'a la donné la première. Ah, oui, m'y connaît. Ça pose oui, m'y connaît question encore. Là, si, mais on connaît la personne, le personne que m'a la mis dans la main. La personne, mais il pense que ben la main était bon. Hein. La main était bon. Oui. Parce que l'important, c'est d'avoir un bon main, qu'on donne un monde le premier. Là, si, mais la mettre dans sa main. Parce que s'il prend sa mauvais cœur, là, non. Pour l'album, non, le cœur était bon. Le cœur était bon, mais l'a mis dans sa main. Ouais. Il l'a remis dans la main quelqu'un d'autre parce que ben il a dit ben, pour écouter après plus tard. Ouais. Mais la main était bon parce que ben m'y vendent bien quand même. Hein. D'accord. Là, pour l'instant, on m'a fait vendre au moins 25. 25 déjà. 25 depuis le 5 décembre. La 25 déjà partie. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est ça que la personne avait une bonne main.
D'accord, ok. Mais Miro, bien sûr, quand même. les bons. Alors, ok. Emilia, elle est l'artiste de cette semaine. Oui. Hein, l'artiste de cette semaine pour la sortie de cet album. Il appelle Viens avec moi, disponible avec actuellement moi. Chez où mais chez bientôt, moi, disponible dans les bacs aussi. Les bacs aussi oui. Avec écrit et par où, et puis musique composée, réalisée, arrangée par David Luizin. Hein, oui. Hein, et puis après, il me voit aussi le logo de Fano Design à l'arrière. Oui. Ça veut dire que les clips aussi étaient faits par Fano. Fano, hein. Oui. Combien oui. de clips on a encore? Ben, on a deux clips, mais ils n'étaient pas tournés par Fano. Mais oui. Là, du coup, ben, ce qui sera là sera tourné par Fano. D'accord, oui. Alors, la fin commence à ranger tout. Ah oui, Fano est au courant de toute façon. Oui, il connaît déjà, là, oui. Ok. Là, on va finir avec un clip, là. Lequel on veut? Un Vie gâchée ou bien sinon l'autre Un vie gâchée. Oui, un vie gâchée. Ah, d'accord. Alors, ben, Richard qui est l'autre côté là-bas, là, parce il est temps que les lui cale le morceau. Et puis après, ben, nous profitons pour dire au revoir à tout le monde. Ben, oui, hein, oui. Hein, et donc, ben, fier de cet album qui vient de sortir. Oui, hein, oui. Voilà. Hein. Au moins, les gens, ils voient un petit peu si vraiment l'interview passe un petit peu avant les fêtes. Au moins, les gens, ils peuvent récupérer l'album et puis ben, savoir un petit peu. D'accord, très bien alors. Ben, okay. C'est bien Jean-Claude. Les bons, merci beaucoup Emilia. Ben, Miro, merci aussi Jean-Claude. Les bons, alors. C'est grâce à vous que nous les là, tout le temps nous dit, hein, même Richard dans son petit coin là. Richard, petit coin, la régie, l'autre côté là, il ne voit pas les trolls. Il est toujours là quand l'artiste arrive ou aller ouvrir son petit fenêtre, les accueille à nous. C'est bien. Voilà. On est très fiers d'eux autres par contre. Et continue comme ça, arrête pas. D'accord, merci beaucoup. Voilà. De rien Jean-Claude. Merci beaucoup. Nous retrouvons la semaine prochaine, nous, dans une nouvelle émission de l'artiste de la semaine. Et nous finissons avec ce clip Un Vie Gâchée. Vos enfants témoignent sans que tout le temps mon vie l'a basculé. Le jour où il a apprendu que mon soeur ou l'été, que ça l'a espacé. Quel manger qu'on sent entre deux autres la fée. Surtout à où mon petit soeur et mon soi-disant mari que moi elle a toujours aimé. Regrette à où la blesse à moi pendant des années. Pour ma faille suicidée, mi la trop supportée. Sorti mi bébé, mi préfère aller. Regrette à où, mi plaire à où, mi en fout. La blesse à moi pendant des années. Pour ma faille suicidée, mi la trop supportée. Sorti mi bébé, mi préfère aller. Ça que moi l'a fait, pour moi mérite ça. Moi que l'a toujours respecté. La vie de famille est sacrée autour aussi. Pardon, mon bon enfant. Mais il est vraiment désolé, mais m'y peut plus supporter. Papa l'a trop déconné. M'y veut tourner la page, malgré mon âge. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Sophie? Oui? Ton mari est parti où? Il est sorti. Sophie, il faut que je t'avoue quelque chose. Ton mari est parti avec ta soeur. Là où me plaira ou m'y en fout. La blesse à moi pendant des années. M'a failli suicider, ni la trop supporter. Zordi, mi bébé. Je préfère aller.